L'autorisation d'acquisition d'armes conditionnée par la pratique du sport, de la chasse et de la collection compromet la détention d'armes des citoyens. Tout comme la promotion des arts martiaux et des armes non létales affaiblit la défense personnelle. L'aïkido est un art martial japonais qui consiste à utiliser la force et la volonté de l'adversaire contre lui-même pour réduire ses efforts à néant par le déséquilibre ou l'effet de levier, dit-on. Cela me semble passionnant. On en comprend facilement l'idée, mais il est plus difficile de le faire lorsque nous sommes la victime de ce genre de stratégie, d'autant plus sur un plan intellectuel. C'est ce qui arrive aux personnes qui pensent qu'elles ont le droit de se défendre ou le droit de détenir des armes et qui veulent défendre un de ces droits, mais pas l'autre. Parce que je ne m'adresse pas qu'aux détenteurs d'armes, je commence, pour imager, avec le droit de se déplacer et de détenir des véhicules. Si vous avez le droit de vous déplacer, mais qu'on vous interdit les véhicules à moteur, voiture, avion, bateau, vous comprenez bien évidemment que ce droit de vous déplacer qu'on vous accorde tellement généreusement est dans la réalité très limité par rapport à ce qu'il devrait être. Même si, bien sûr, se développe toute une économie de moyens alternatifs. Marche, patin à roulettes, vélo, trottinette, cheval, charrette, bateau à voile, galère, etc. et dont les marchands défendent leurs intérêts. A l'inverse, imaginez par exemple, après moult propagande écologique ou sanitaire, que les autorités vous interdisent le droit de vous déplacer par vos propres moyens, parce que l'espace public est décrété domaine de l'État qui seul détient la légitimité du déplacement. Bien évidemment, les personnes qui acceptent ce règlement de l'autorité ne s'offusqueront alors pas que les véhicules personnels disparaissent par manque de marché et que l'autorité finisse par interdire aux particuliers leur détention devenue inutile. C'est le bon sens. Il y aura peut-être encore du vélo de jardin, du canotage sur piscine, éventuellement le déplacement sportif en rond, avec autorisation préfectorale dans les lieux dédiés au sport. Et encore, il ne faut pas que ça pollue, fasse du bruit, qu'on puisse imaginer pouvoir se déplacer ailleurs. Et faire circuler cette idée devient vite de la dissidence. Si on vous retire un droit, les moyens d'en jouir disparaissent. Et si les moyens concrets de jouir d'un droit sont interdits, c'est ce droit qui disparaît. C'est très exactement ce qui est en train de se passer en France, avec le droit de se défendre et celui de détenir des armes. Malheureusement, beaucoup trop de personnes, pourtant se disant favorables à la défense personnelle ou à la détention d'armes, en voulant protéger leurs intérêts ou leur univers, en pensant défendre la détention par leur pratique ou en améliorant la défense personnelle selon les moyens légaux actuels, ne se rendent pas compte qu'elles participent à la logique de la fin inéluctable du droit de détenir des armes et de se défendre, parce qu'elles ne défendent qu'un seul de ces deux droits. Nier l'un, c'est nier l'autre. Qu'est-ce qu'une arme? Prenons la définition d'un dictionnaire, le petit Larousse. Objet, appareil, engin, servant à attaquer ou à se défendre, par nature ou par usage. La vraie nature des armes est l'attaque et la défense. Si nous n'avons plus le droit de détenir des armes pour notre défense, il reste l'attaque. Or, initier l'usage de la force n'étant pas légitime, pour notre sûreté, il semble logique de les interdire. Souvenez-vous, en décembre, le tueur raciste de Paris fréquentait un club de tir et possédait de nombreuses armes déclarées en préfecture, selon le ministre qui l'a affirmé devant toutes les caméras d'information qui en faisaient leur une. Bon, il s'avérerait que l'assaillant est un repris de justice, n'est en réalité plus inscrit en club de tir et qu'il sort de prison, ce qui, normalement, interdit la détention d'armes et que tout ça pose la question de la possible défaillance de l'administration ou de la communication du ministre. Mais qui le sait? Quoi qu'il en soit, ne dit-on pas que, pour le sport, nous n'avons pas besoin d'armes de guerre, de fusils d'assaut? Nous n'avons pas plus besoin d'armes de gros calibre, de chargeurs à grande capacité, ni d'armes à répétition. Pas besoin d'ogives à tête creuse et de chevrotines, pas besoin de silencieux, pas besoin d'accessoires et d'armes, et de pratiques de tir inutiles à la pratique du sport. Nous n'avons même pas besoin d'armes à feu pour la pratique du tir sportif. D'ailleurs, nous n'avons pas besoin du tir dans le sport. Et puis, voulez-vous des gens armés lâchés dans la nature? Sans contrôle, même le week-end. Combien de temps encore cela va-t-il durer? Regardez les accidents de chasse qui se multiplient.
Regardez les dernières informations. Oui, il y a de moins en moins d'accidents et ce sont les chasseurs eux-mêmes les premières victimes. Mais qui le sait? Quoi qu'il en soit, ne dit-on pas que pour la chasse, on n'a besoin que de carabines et fusils à un ou deux coups? Et encore, la seule vraie légitimité de la chasse n'est-elle pas le contrôle des populations animales? La cruauté inutile, le piégeage avec la stérilisation, avec des appâts par des professionnels assermentés, est préférable. La chasse fait partie de la culture, de notre patrimoine, de l'histoire, me direz-vous, bref, du passé. Les armes sont des engins de mort, des reliques. Ne sont-elles pas la face la plus sombre de notre histoire? Faut-il vraiment les collectionner? Quoi qu'il en soit, ces collections d'armes historiques sont destinées tout au plus à être exposées au public, dans les musées. Les armes neutralisées feront l'affaire, si ce n'est des répliques virtuelles en trois dimensions. En tout cas, il n'y a aucune raison que des particuliers conservent des armes et constituent de véritables, comme on le voit dans la presse régionale, de véritables arsenaux de guerre. N'avez-vous donc pas vu tous ces meurtres à la Kalachnikov? N'en avez-vous pas marre de toute cette violence? Les armes ne sont bonnes qu'à donner la mort, puisque nous n'avons pas le droit de les acquérir pour sauver nos vies. Soyons logiques jusqu'au bout. Comme certains détenteurs d'armes, ils sont déjà très raisonnables, en ne voulant surtout pas lier la détention d'armes des civils à la défense. D'autant plus avec la menace de la saisie de ces armes devenue réelle. On peut être encore bien plus raisonnable avec ce genre de logique. La logique du désarmement des civils est en marche, et vous le savez. Qu'est-ce que la défense? C'est avant tout la protection de sa personne, la protection des droits naturels et imprescriptibles des hommes, des citoyens, des individus. Leur défense est par nature individuelle et donc autonome. Si la défense n'est pas la possibilité qu'un homme puisse se protéger par ses propres moyens des hommes, il n'y a plus de défense. Qu'attendons-nous de cette défense personnelle? Qu'elle nous protège de la violence physique? Qu'elle brise la loi du plus fort, des plus nombreux, qu'on puisse se défendre quel que soit le lieu, quelles que soient les conditions, quelle que soit notre physique? Qu'elle soit la plus aisée, la plus sûre, la plus instantanée, là où la plus dissuasive possible. Nous attendons que la défense soit possible et réelle, qu'elle soit universelle, à l'image de ce que devraient être les droits naturels, que ce soit face aux individus criminels ou aux États criminels qui les violent. La détention d'armes aptes au combat pour les citoyens d'un pays et le port d'une arme apte à la défense personnelle pour les civils sont à la fois la preuve concrète et le symbole du respect de ces principes. Les arts martiaux ne sont pas dissuasifs avant d'en faire usage, n'évite pas la violence physique puisque leur utilisation est un corps à corps. C'est en soi déjà un échec. Et puis leur efficacité dépend de sa condition physique, son poids, son âge, son sexe. Une arme à feu n'en pâtit pas ou quasiment pas. Les arts martiaux ne brisent pas la loi du plus fort dont on veut se débarrasser. Au contraire, ils entretiennent de facto cette logique. Non, tout le monde ne peut pas suivre la voie du guerrier ni ne veut en devenir un. Se défendre n'est pas l'envie d'une lutte contre soi-même pour s'élever ou s'élever dans la hiérarchie des utilisateurs de la force. Ce n'est pas le propos. Le propos est la nécessité imposée du devoir pour la société de dissuader ou neutraliser un agresseur le plus efficacement possible pour le salut de ses victimes livrées à sa violence. Les armes à létalité réduite ne sont pas aussi dissuasives qu'une arme à feu pour stopper l'agression, pas aussi efficaces et universelles pour la neutralisation lorsqu'elle est nécessaire. Derrière des obstacles, avec un grand nombre d'agresseurs ou des agresseurs armés au-delà de quelques mètres et pour garder à distance. On ne peut pas jongler d'un moyen à l'autre et avoir des collègues armés en soutien pour trouver une illusoire proportionnalité quand on est soi-même la victime civile de l'agression et quand sa vie est en jeu. Nous n'avons par ailleurs même pas le droit de porter des armes à létalité réduite. Oui, les arts martiaux et les armes de défense à létalité réduite sont bien évidemment utiles et ont bien évidemment un rôle à jouer pour la défense. Mais le port d'une arme à feu reste le meilleur outil pour notre secours quand notre vie est en jeu, pour la défense la plus dissuasive ou, dans ce cas, la plus proportionnelle, la plus nécessaire, la plus immédiate, et il nous est interdit. Les monstres ne disparaissent pas parce qu'on interdit les moyens de s'en défendre.
Les arts martiaux et les armes non létales entretiennent l'illusion que nous avons le droit et les moyens de nous défendre, et ainsi détournent du temps, de l'argent et de l'énergie qui devraient être utilisés pour l'enjeu plus fondamental de récupérer le droit réel de se défendre. Oui, tout comme les armes à feu nous sont interdites tranche par tranche, parce que on nous interdit la détention pour la défense réelle se délite parce qu'on nous interdit les armes. Pour ceux qui s'en souviennent, la pire des campagnes qui ait jamais existé pour défendre la détention d'armes à feu des civils était la campagne de Firearms United, qui tenait en ce slogan « Don't ban my sport », n'interdisez pas mon sport. Ça se pensait malin en parlant de sport et non d'armes, mais c'est l'offrir sur un plateau d'argent le bâton pour se faire battre. C'est justement parce que c'est un sport qu'on peut en interdire les armes. N'interdisez pas ma tradition, ne me prenez pas ma collection, ne détruisez pas mon loisir, ne tarissez pas ma source de revenus. Regardez comme je suis sage, je ne fais pas d'amalgame, je ne commets pas de crime de pensée, je ne suis pas auteur de sacrilège. Ne vous inquiétez pas alors. Pour votre sécurité, il suffit de rendre vos armes aptes à l'attaque. Comprenez-le, on ne se défend pas d'une logique en suivant cette logique, on ne fait que la renforcer en attendant d'être sa prochaine victime. Ne faites pas cette erreur. Si vous voulez pérenniser la détention d'armes, il faut pérenniser leur nature, c'est-à-dire le droit de se défendre d'une façon individuelle et autonome, sans quoi vous ne défendez qu'une obole qu'on peut justifier de vous retirer à tout moment. Si vous voulez vraiment que vos prochains aient le droit réel de se défendre, de défendre leur vie, de ne pas subir la loi du plus fort, et que vous n'êtes pas qu'un marchand du temple qui protège en fait ses intérêts, vous devez de facto être pour la détention d'armes et le rétablissement du port d'armes citoyen. Un droit absolu légitime, un moyen absolu. Je ne vous suggère pas d'arrêter de défendre le tir sportif, la chasse ou la collection. Je ne vous suggère pas de les associer à la défense, puisque ce n'est pas leur objet, en plus d'être devenu motif de décennie, si on fait ce lien. C'est là d'ailleurs une preuve de plus du piège que je dénonce, si jamais il en fallait encore une après toutes les évolutions réglementaires que nous avons connues. Si vous voulez pérenniser la détention d'armes, je vous demande de ne pas le faire à l'économie de la défense personnelle. Sinon, votre défense de la détention est en sursis et tombera par manque de légitimité, que ce soit à l'usure face à la gestion lente de notre désarmement, ou désormais avec brutalité et mensonge, comme on le voit dans certains pays proches. Faites-le simplement par ailleurs, en tant que citoyen. Je ne vous suggère pas d'arrêter de promouvoir les arts martiaux et les armes à létalité réduite pour se défendre, vu notre contexte. Mais si vous voulez que celui-ci évolue favorablement, que les innocents puissent pleinement se défendre, que c'est là votre objet, vous ne pouvez pas faire l'économie d'être acquis à la détention d'armes pour sa défense et au rétablissement du port d'armes. Ne jouez pas le jeu de ceux qui ne veulent pas que vous ayez le droit et les moyens de vous défendre. Ne tombez pas dans le piège de la légitimité de papier au détriment des droits les plus sacrés. Nos droits naturels, fondamentaux en tant qu'individus et les moyens réels d'en jouir. Voilà la vraie nature de la protection du droit de se défendre et légitimité de détenir des armes. Ce sont les deux faces de la même pièce. C'est d'eux que dépend tout le reste. Alors, défendez-les comme il se doit, c'est-à-dire ensemble.